Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu? Ça va très bien, coucou tout le monde. Coucou tout le monde, comme d'habitude, son coucou tout le monde. Avant de commencer cette vidéo les amis, je voulais vous présenter le jeu de société One Piece fait par Topi Games. Souvenez-vous, il y a de ça quelques jours, je vous avais présenté le jeu Dragon Ball Super. Et bien ils ont également un jeu One Piece et moi personnellement ça m'intéressait. Voilà, alors faut avoir 8 ans minimum pour jouer, faut être entre 2 et 6 joueurs et les parties durent entre 30 et 90 minutes. Alors la notice, voilà, je vais pas vous mentir, il y a quand même pas mal de règles, il y a des passifs, etc. Mais une fois que vous comprenez les règles du jeu, franchement, vous allez vous amuser. Il y a même également un système de transformation avec les personnages, par exemple, Luffy, Gear Segundo, tout ça. Il y a vraiment des choses intéressantes avec des passifs, des stats. Je vais également vous montrer voilà, les jetons qu'il y a, tout simplement. Hein, voilà, hop, vous avez des jetons, les navires, tout ça, fruits, oh là, fruits du démon et tout. Franchement, c'est vraiment stylé de ouf. Le plateau du divine, elle est en train... Il est vraiment beau. Franchement, il est vraiment stylé de ouf, avec toutes les îles. Alors, Enies Lobby, les amis, Enies Lobby, là où il y avait Lucci, Skypia, NR, c'était incroyable. Il y a Marineford ou pas? Attendez, normalement, voilà, il est là. Marineford, pour moi, c'est un arc incroyable. Ace, je vais pas spoil, vous savez de quoi je parle. Voilà, franchement, je trouve ça vraiment pas mal de pouvoir jouer et naviguer sur ce plateau en famille. En plus, ça peut être vraiment kiffant. Les fameuses cartes, parce que voilà, il y a des cartes barbe noire, barbe blanche. On peut regarder, hein, voilà, ils sont plutôt vraiment bien respectés en termes de cara design. Il y en a d'autres, oh là là. Hancock, vous connaissez, hein, celle qui est amoureuse de Luffy. Je vais spoil pour Ludivine. Non. Voilà, pareil, il y a vraiment beaucoup de cartes. Donc, vous avez le petit dé. Ouais, les petits dés. Vous avez vraiment d'immenses possibilités. Je rappelle que c'est un produit sous licence officielle avec la Toei. Et Oda a supervisé ce jeu. Ce qui veut dire que vous retrouvez des petites subtilités que parfois ne sont pas présentes dans le manga. Si vous êtes un collectionneur de One Piece, et bien du coup, ce jeu de société, je pense, il devrait vous charmer. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien, à le commander sur le site Topi Games. Ou même, au pire des cas, vous pouvez le retrouver dans les grandes surfaces comme Carrefour, Leclerc, etc. En tout cas, voilà, franchement, c'est plutôt pas mal. Et moi, je les encourage à continuer ce genre de jeu de société. Ça fait vraiment kiffer pour les passionnés. Place à la vidéo maintenant. Yeah! On va partir en PVP avec cette team pour aller tester le fameux duo de Goku et Vegeta Blue, Legendary Finish, qu'on a eu cette étoile lors du Téléthon sur France 2. Incroyable, franchement, c'est un souvenir de fou furieux. Et forcément, bah, je l'ai fait accompagner de pas mal d'autres persos. En leader, j'ai mis pour moi ce qui se fait de mieux là à l'heure actuelle, parce que je l'ai 13 étoiles. Encore une fois, on a eu des étoiles justement pendant le Téléthon chez France 2, le Gohan SSJ. De LF Zenkai, c'est la boucherie. Pour moi, c'est une dinguerie. Et bien évidemment, le Vegeta Blue Evolution Legendary Finish à 8 étoiles. Pour accompagner tout cela sur le banc, j'ai mis le Broly et le Goku Zenkai 7, tous les deux de type violet, pour booster justement le duo. Et pareil pour le Vegeta Zenkai SSJ God type jaune, je l'ai mis pour booster le Vegeta Blue Evolution. Et pour le Gohan, en fait, t'as pas besoin de le booster. Il est tellement fort que déjà, voilà. Ça va, ouais. Elle est bien ta team quand même là. Elle tu est pas la mal. Donnes celle-là? Si, à moi. Je veux, je veux. On va partir à la bagarre. Let's go, yeah. Alors, je vais prendre, du coup, bah, on va commencer avec le leader. Voilà, on va prendre les trois du haut. Voilà. Ah, mais là, t'es en platinium, toi. Ah, bah, bien sûr, madame. On est en platinium. Ah, on rigole plus, là. Ah, bah, non, on n'est pas là pour rigoler, madame. Excusez-moi. Il manquerait plus que ça. Est-ce qu'on est là pour rigoler? Alors, du coup, ok, Vegeta, le double Vegeta. Et le duo, putain, il a 9 étoiles, ouais, par contre. 9, hein. Let's go. Allez. Allez. Écoute ça. Parfait, ça passe. T'as de la chance, ça passe, là. Moi, j'y arrive jamais. Ich. Ich. Voilà. C'est juste pour vous montrer un contre-type. Oh. Regardez, hein. Voilà. Mais tu l'enchaînes, là. Arrête. On est pas mal. Voilà. Encore. Ah, donc tu switch, ok. Voilà. Boum. Regardez les dégâts. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Le pauvre, il comprend rien là. Oh, c'est impressionnant. Le duo, il est impressionnant. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et puis là, c'est pareil. Oh la vache. Oh là là. Voilà, bon, c'est. Il reste son duo. Ouais, c'est la cousine là. C'est la cousine. C'est la cousine. J'ai entendu faire son pas de côté. Oh là là, on va le LF. Ah bah. Oh non, mais non, il abandonne.
T'es pas gentil. Non, non mais... c'est pas bien. Est-ce que t'as vu le duo quand même commence à arracher? Ah mais c'est un truc. Et j'ai fait exprès de switcher sur le duo pour taper à contre-type. Alors attention, il y a quand même un boost de 90% d'entrée de jeu en début de combat, mais là ça faisait extrêmement mal. Bah game suivante. Vas-y. Oh, une team cyborg avec la C18, Senkai 7, ça va faire mal. Ah là, j'avoue, va pas falloir bégayer, mais j'ai confiance. J'ai confiance pourquoi? Parce que le duo de Goku Blue et Vegeta Blue, une fois que tu switches sur le Vegeta, il n'y a plus le contre-type. Le contre-type, voilà, ça me fait pas vraiment peur. Hein. Bon, enfin, quand même, parce que là... c'est chaud, là. C'est chaud. La petite folle C18, elle est quand même assez violente, mais autant te dire qu'on va pas lui faire de cadeau. Hein. Elle va prendre la confiture, elle va retourner là d'où elle vient. C'est-à-dire, calme là... Toi. Cuisine. Voilà, tu vois. Elle a compris, maintenant. Elle va venir me rejoindre. Elle a compris. Allez, let's go. Et comme d'hab, hein, max de pouces bleus sur cette vidéo. Allez. Allez, concentre-toi. On est parti. Va pas falloir bégayer des genoux là, hein, va pas falloir aller faire de la lecture à la bibliothèque. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je suis pas où là. Ok. Ah, ça passe toi. Ouais, ça passe. Ouais, contre-type là. Ça lag un peu. Ça lag un petit peu. Oh, s'y attendait pas celui-là. Voilà, là on va reprendre une carte, la blast. Voilà. Ok, donc ça te donne la verte, donc une carte en fait. C'est ça, le Vegeta okay. Blue Evolution, quand tu fais la verte, il te ramène une blast. Oui. Ouh là là, le C17. Ouais, il fait mal le C17 MVP, il m'a quand même enlevé presque la moitié de ma vie. Il fait mal. Ouais, ça lag un petit peu. Ça lag un peu, ouais. C'est pas évident de jouer comme ça, mais bon. On va tout faire. Allez. Et là, t'en fond de map. Hein. Oh là, ah, il y a un décalage. Et ouais, le problème c'est que là, il y a eu un décalage, donc. C'est pas évident. A fait mal, hein. Même à contre-type, a fait mal quand même sur le Gohan. Bon, après... Allez, à la terre, contre-type. Ouais, bon, je trouve qu'elle fait autant mal la C18 que la C21. Alors, attention. Voilà. La vache. Je risque de prendre cher, là, quand même. Oh, ça va. Ouais, ça va. Vu, franchement, elle fait pas trop de dégâts. Ok, oh. Parfait. À contre-type, hein. Ça lag quand même. Hein. Oh là 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 là. Ça lag, mais regardez bien. On l'arrache. Hein. On l'arrache. Hein. Allez. Bien. Je vais pas me poser de questions. Direct au Rising Rush. Un perso en moins. Allez, on va mettre la verte. J'espère qu'il va pas me contrer. Ça serait plutôt pas mal. Hein. Ça m'arrangerait. Et il contre c'est pas, bon, mesdames, bon. Et mesdames et mesdames et messieurs. C'est bon. Il est incroyable. Le duo Goku Blue, Vegeta Blue, c'est incroyable. Accompagné là du Vegeta Blue Evolution et de Gohan. Ça fait mal, ça fait tellement mal. Il me les faut. Donc là, voilà. J'ai mis le Vegeta. Par contre, ça lag, là. Alors, heureusement que j'annule le contre-type, parce que là, elle va être violente. Donc, c'est pas grave. Je vais la laisser taper. Et je switcherai. Je pense qu'elle fera son ultime à un moment donné. Ah, vous voyez, cette folle. Elle s'arrête jamais, là. Elle a tout le temps. Wow. Là, voilà, hop. Oh là 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 là, mais c'est abusé. Tiens, je savais qu'elle allait faire l'ultime. Ok, là, on switch. C'est un truc de fou, là, c'est du Zenkai. Voilà, faut pas faire n'importe quoi. Hein. Voilà, comme ça, lui, il a encaissé. Ah, j'avoue, il a bien encaissé, hein, le Gohan. Ouais. Oh, ça lag. Ouais, ça lag. Ish. Allez. Ish. Ça lag un peu, alors c'est pas évident, hein. Voilà, let's go. Voilà, vas-y, on va direct mettre l'ultime. Il remet la folle. Ouais, elle met la C18, c'est mort. Ça la tuera pas. On la cabosse. Ça a piqué un peu quand même. Tu te la manges. Oh, oh la vache. Ah bah, elle m'a tué. Oh là là, comment ça là. C'est bon, ça passe. Regardez bien. Ish, cuisine. Boom. Regardez le duo. Incroyable duo. Oh le duo là. Incroyable. Ah. C'est pas grave. Je préfère garder le Gohan en route oui, secours. Ouais. Parce que le Gohan, il va pouvoir se soigner avec son main. Il a le main, tout ça, donc là... Ah, mais t'as contre-type. Voilà. Ouais, mais regarde. Non, parce qu'une fois que là, j'ai le main, je reviens à 2,7 millions. Oh là. Non, hop là. Oh là. Ça s'appelle un petit cancel. Oh là là. Et du coup, là, il encaisse. Il encaisse parce que j'ai activé le main. J'avoue. Donc là, il peut encaisser.
Pourtant, un contre-type, hein. C'est ça. Mais vu que là, j'ai fait le main... Bah oui. Ah, oh non, non. Ouais, mais vu que ça lag, c'est pas évident. Oh, c'est dommage. Oh, vas-y. C'est toujours comme ça, de toute façon. C'est abusé, mais il mourra pas. Mais ça lag de fou, hein. Bah ouais, ça lag de ouf. Voilà. Ah, bien joué, là. Ah, mais ça... Voilà, ah, allez. C'est bon, elle est finie. Elle est finie. Pouf, c'était chaud, hein. Franchement, wow. On aurait pu la LF, mais vu qu'il y a des lags et tout ça, bah les gars, on fait ce qu'on peut. Mais voilà, encore une fois, on a vu un duo Goku Blue Vegeta Blue en action de ouf. Et puis bah là, accompagné du Gohan, qui permet de reprendre à la fois des boosts et puis bah du soin en HP. C'est énervé. Oh, une team divin. Oh là là, ouais. Elle va faire mal celle-là, comme il est étoilé. Hein. Ouais, team divin avec pareil, le duo de Goku Blue Vegeta Blue à 8 étoiles. Donc il a une étoile supplémentaire. Bon, ça change pas grand-chose, parce que c'est à partir de 9 étoiles où les stats là commencent à être vraiment très très intéressantes. Il part avec qui? Ouais, bah, il a mis Vados pour le soin. Ok. Ouais, Goku Blue va falloir faire attention quand même au Goku Blue Zenkai 7. Et puis bah audio. Ça va pas être évident, je pense, comme game. Va falloir faire attention. Surtout que même si j'ai le Vegeta Blue évolution type jaune face au duo, il switch sur Vegeta. Terminé. Il n'y a pas vraiment annulation contre type. Voilà. Donc on va voir. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Faut rester Allez. Concentré encore. Là. On reste concentré. Ouf. Voilà. Ish. Allez, là, faut enchaîner, là. Oh la vache, les dégâts. Non, non, non. Donc, ça te donne une carte. Ouais, voilà, ok. Ça donne l'aspect. Mais comme j'ai pas le perso, bah en fait, c'est ça. C'est pour ça que je regarde aussi Sofiane Rey, genre en PVP. C'est ça. Comme il va tomber, j'apprends. Et puis là, le Vegeta, il m'a donné. Tout à l'heure, j'avais dit comme quoi il donnait une blast, mais non, en fait, il donne une. Une carte au hasard. Une carte, ouais, ouais. C'est au hasard ou. Il me semble tout à l'heure, j'ai dû me tromper dans la vidéo, j'ai dû dire. Une blast alors que. Oh non, elle est pas morte. Par contre, elle a mangé. Hein. Franchement, de peu, ouais. Allez. Ah non, mais ça lag. Non, tu te la manges. Ah. Ça lag un peu. Par contre, là, il est devenu torse nu, Goku. Ah oui, c'est bien ce que je me disais, ouais, ou quoi? Il est torse nu. Ça, c'est stylé. Ça claque, hein. Il s'est pris une spé, les vêtements se sont déchirés, c'est stylé de ouf. C'est trop stylé, les frérots. Oh là 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 là, oh, comment il fait mal, là. Ah, il faut switcher, là. Ah, mais même là, il va faire mal, parce qu'il n'y a plus de contre-type. Donc, il va... Oh là 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 là, les dégâts. Oh là. Il fait mal. Là, il est mort, on y est. Je peux pas switcher sur le Gohan, parce que le Gohan, on en a besoin. Faut toujours le garder en fin de game. Le dernier perso. Je contre pas. C'est pas grave. Je suis obligé de garder le Gohan. Je pouvais pas switcher dessus parce que le Gohan en dernier perso. Il faut toujours le garder. Hein. Bien sûr. En même temps. Bagarre. Ich ah. Oh oui oh. Ah, lui aussi il s'est foiré. Pour une fois qu'on a un peu de chance. Allez. Bye bye, il a Vados. Allez, dégage de là. Allez. Ok. Il a bien tempo là-dessus. Oh, il a bien tempo là-dessus. Heureusement que t'as gardé ton Gohan. Yes. La cover strike de Vegeta. Là, je suis en 1v2. Hein. 1v2, oh il est full life. Oh là là. Regardez le Gohan. Voilà. Oh voilà. Oh là 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 là. Voilà pourquoi faut garder Gohan. Voilà pourquoi faut garder Gohan. Voilà, y a pas. Eh non, mais c'est un truc de fou. Voilà. Je me pose pas de questions. Voilà. S'il contre pas, c'est gagné grâce à Gohan. Et il a tué deux persos. Oh. Deux persos, Gohan. Voilà. Oh lol. Eh non, mais Gohan, c'est un truc de fou. Après, quand il on est vient incroyable, me... Gohan. Je cherche pas à comprendre, pour moi c'est le meilleur perso du jeu. Gohan SJ2, LF Zenkai, c'est le meilleur perso du jeu. Vous avez vu un petit peu les blasts, etc. qu'il a envoyé. Quand il est tout seul après à la fin, t'actives le main, tu récupères des points de vie, etc. Et puis bon bah là je l'ai carotte parce qu'il a esquive, donc après j'ai rasé rush direct. Bah voilà le résultat. Oula. Ouais, 9 étoiles en face. Ouais, 9 étoiles là, le duo là. Bon, moi j'aimerais bien avoir un 9 étoiles parce que pour les stats, là c'est vraiment intéressant. Non mais ça va, oh, moi je l'ai pas. Donc tu te calmes. C'est pas mon problème. Non mais attends, il veut monsieur maintenant 9 étoiles. Ouais, non mais regarde, 9 étoiles. Il le faut.
Il le faut. Moi déjà 4 étoiles. Ouais, 4 étoiles. Ok, alors, il a mis VB, très bien. Jubaida, ok, Jubaida me fait pas trop peur. Ouais. VB, c'est juste chiant parce que à chaque fois qu'il fait des strikes, etc., voilà, il y a des strikes qui reviennent. Donc, pour le Rising Rush, il peut avoir un Rising Rush assez rapidement, voire même deux fois dans la late game. Mais c'est surtout le duo, là. Le duo qui me fait peur à 9 étoiles, ça peut retourner la game. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis, bah, comme d'hab, hein, on a encore le fameux Gohan-san, qui est incroyable. Les amis, franchement, dites-le vous aussi dans les commentaires. Gohan, meilleur perso du jeu pour moi. Il est trop franchement, fort. Franchement, trop fort. Voilà, bah, tiens, ça commence. Donc là, voilà. Là, il va enchaîner. Ok. Et potentiellement, il est en train de se mettre des Dragon Ball. Voilà. Oh là. Là, ton Gohan. Il a fait mal, hein? Ouais. Ah, la tempo! Bah, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu anticiper son pas de côté, et en fait, non. Ce que je me dis tout le temps. La tempo! Je me suis raté sur cette tempo. Ok, parfait ça. Yes. Ah, là, tu lui fais mal, là, par contre. Ouais, là, ça chie des bulles carrées. De toute façon, je vous l'avais dit, le Jubaida me faisait pas peur. Là, ça rigole un peu moins, là. Stylé, là, elle a cover blast. Oh là là. Ish, on a dansé, t'as bien. Dansé. Boum. Je pensais pas, tu vois, qu'il allait mettre le VB tout de suite. Vu que j'avais fait la verre pour avoir une spé. Oh là là, les dégâts. Oh là là, les dégâts. Regardez bien. Hop, cuisine. Allez. Ça dégage. Oh, les dégâts. C'est un truc de fou. Le duo, il est incroyable. Ce duo est incroyable. Hop. Donc là, j'ai ramené une strike. Ouais. Là, par contre, c'est switch. Bah... Ah, purée. Ah. Regardez les dégâts. Là. À 9 étoiles en plus. Rising Rush derrière. Alors là, je vous l'ai dit. Hein. À 9 étoiles, ça rigole zéro. Ça rigole zéro en face. Oh, la chance. La chance, profite-en. Tais-toi, laisse-moi tranquille. Mais hé, commence pas. Je suis là pour te supporter. En tant que supportrice. J'ai pas été bon à supporter. Oh là, vache. Ok. Oh, bien. Bien et bien. Oh, les dégâts. Oh là 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 là. Et ça pique, hein. Ah bah, il rigole pas le duo, hein. Moi, je peux vous le dire. Hein. Le duo, c'est... Voilà. Bien. Allez, hop. On donne de la vie. Allez, ouais. Voilà. Donc là, je vais le forcer à esquive. Ah, il a pas esquivé. Ah, mais là, il a... Il va pas mourir. Il va pas mourir, mais... Ça va faire mal. Ça va faire mal. Oh, non, mais il reste pratiquement rien du tout. Putain, il reste fond de map, ça me saoule. Oh là là. Oh. Qu'est-ce qu'il est fort, son duo à 9 étoiles. Qu'est-ce qu'il est fort. Ah, oh, purée. Ouf, là ça va faire mal. Oh là 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 là. C'est. Ça c'est incroyable. Pas. Ouais, c'est fini. C'est fini. Ish. Allez, c'est fini. Est-ce que vous vous rendez compte que le duo de Goku Blue et Vegeta Blue à 9 étoiles, c'est une dinguerie. Vous avez vu comment il frappait fort. Mais c'est ouf. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. C'est ouf. Vraiment, c'est impressionnant. Les dégâts sont monstrueux. Il y a le Trunks et le duo. Je vais partir toujours avec les mêmes, mais là, j'avoue, là, ça peut faire mal. Ça va faire mal, là, franchement. Ah, ouais. Bon, il a 7 étoiles comme moi, le duo. Par contre, attention au Trunks. Et il a pris le Trunks, ouais. Donc là, il a pris les deux unités stars de ce Legends Festival. Oh, le Trunks, mais j'ai l'impression que tout le monde a le duo de Goku Blue maintenant. Non, moi je l'ai pas, donc tu te calmes. Et voilà, la violence. Non, et mais voilà. Je l'ai pas moi. C'est vrai que moi aussi j'ai cette impression que tout le monde l'a et pas moi. C'est pas mon problème. C'est abusé. Tiens, regarde les dégâts. Ish. Le Trunks. Ish. Ah, mais Ish. Il encaisse quand même le Trunks. Hein. On reprend une carte. Une strike, très bien. Il encaisse quand même, je crois. Hein. Bien sûr qu'il encaisse. Il est seulement 4 étoiles. Hein. Le Trunks, il est vraiment trop fort. Oh là, la jauge unique, attention. Il a la jauge unique, il a récupéré des points de vie. Il récupère de la vie, ok. Et puis là, il va frapper fort. Hein. Ouf, oh là là, c'est pas les mêmes dégâts, là. Ah bah là, oui, là, c'est... Là, c'est... Ouais, là, ça... Oh là. Là, ça cogne. Hein. Là, ça cogne. Oh la vache. Bon, franchement, heureusement que tu t'es pas pris. Hein. Ok,
Ok. Bien. Oh merde. Ouille. Oh, oh la vache. Je suis pas bien. Il t'a tué ton duo. Ouais. Je suis pas très très bien. Mais il attend fond de map aussi. Parfait. Oh là ça fait mal là. Ok. On va le fumer. On va le fumer. Il aura pas de survie au KO. Il aura pas de survie au KO, on le fume. Voilà. Comme ça, ça s'est réglé. Allez. Ça va à la cuisine. Avec le team, voilà, ça dégage. C'est bon. Oh, il s'est mangé. Voilà. Oh, et ça fait mal là. Bien sûr que ça fait mal là, madame. Et je reste une rush direct. Oh la vache. Voilà. Vengeance, donc, tu te venges. Ça a été pas mal là. Là, ça a été pas mal. Hein. On a été pas mal là. Bon, ça passe. Eh, t'es bien remonté, hein. Alors, remonte Tada. Pourtant, il t'a éclaté le duo, mais ouais, là, mais t'inquiète pas. T'inquiète, là, c'est bien remonté. Oh. Oh là 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 là. Il va raser une roche. Ouf. Oh là 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 là. Oh la vache. Il résiste, c'est bon. On reprend, ouais. Voilà. Faut pas se foirer là. T'inquiète. Je vais pas me foirer. T'inquiète même pas. T'inquiète même pas. LF, t'inquiète LF. Même pas. Laisse. Yes. Ah. Mais... Ah. Ah. Ça voilà. Fait plaisir. Quelqu'un qui laisse le LF. Ah, il a une connexion instable. Il est parti. J'ai pas. Il est parti. Il a pas voulu. Connexion instable, il veut pas. Il a préféré partir. Bon, bah, du coup, on a fait un LF avec le Gohan. Toujours monstrueux également, le Gohan. Dommage pour cette dernière game que le Goku, voilà, soit parti à la cuisine assez rapidement. Et, encore 120 points, madame. Bah, on avance bien quand même en platinium. 52, hein. Eh oui, bon, bah. Bien, bien. On n'a pas perdu. On n'a pas perdu une game. La team, elle arrache. Je pense que là, vous l'avez vu, la team, elle arrache. C'est vraiment un truc de fou. Voilà, les amis. Max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire, à me dire vous aussi ce que vous pensez de ce duo Goku Blue, Vegeta Blue. Je trouve qu'il est incroyable, ce duo. Le fait de pouvoir switcher, voilà, sur Vegeta. Vegeta, il a une cover strike. Le Goku Blue, il a une cover blast. Ça annule le contre-type avec Vegeta. Voilà, et puis les animations sont spectaculaires. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais ouais. il me le faut. Ah, il te le faut. Bah toi, tu vas invoquer, oui, donc je vais invoquer sur les tickets Legend Festival. Du coup, j'ai une trentaine de multi, donc à 20h30 sur ma chaîne Twitch. Pareil, vous retrouverez le lien de la chaîne Twitch de Ludivine dans la description de cette vidéo, et également le lien de ma chaîne Twitch est aussi dans la description de cette vidéo. Là-bas, je montre. Ici, voilà. Merci à vous les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Ciao tout le monde. Hey les gars, vous abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Non. Yeah.